Il y a quelque chose à laquelle répond pas la CAQ. C'est où est-ce qu'ils sont les pouvoirs qu'ils avaient promis de rapatrier? Il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire le dégonflement du nationalisme caquiste, mais peut-être que cette image pourrait aider. Monsieur le député Jean Lesage, je vais vous demander, vous savez ce que vous venez de faire n'est pas permis. Alors je vais vous demander de respecter le décorum dans cette chambre, s'il vous plaît. La situation qui a eu cours présentement commande une action plus importante de la part de la présidente. On ne peut pas faire ça. Nous respectons, Monsieur le Président, la prérogative du président de protéger les droits de tous les parlementaires de s'exprimer, et nous en sommes aussi. Mais de poser de tels gestes en cette enceinte est complètement inacceptable, inadmissible, et nous vous demandons de sanctionner davantage le député. Merci. Monsieur Lévy, pour une dernière intervention, s'il vous plaît. Pas de leçon à donner du côté du gouvernement. Vous avez fait votre décision, on l'a entendu, procédons. J'ai joué mon rôle, j'ai fait un rappel sur le caractère interdit de ce geste, et s'il vous plaît, j'ai le devoir de protéger les droits de tous les parlementaires. Je vais nous demander de poursuivre, s'il vous plaît, la période de questions. Monsieur le ministre de la Culture et des Communications. Bien, tu sais, honnêtement, Monsieur le Président, là, moi, je pense aux gens qui nous regardent, là, puis j'aurais aimé ça voir ce matin au caucus de Québec solidaire la répétition de ce qui vient de se passer. On a beaucoup de talent au Québec, hein, puis j'invite peut-être le député Jean Lesage, chez les tannistes, son travail ici, à s'inscrire en théâtre. Je pense qu'il y a beaucoup de talent, mais ici, là, on mène des dossiers sérieux qui méritent plus que du mauvais théâtre comme ça, de lancer des ballons en cette Assemblée. Et, Monsieur le Président, notre travail, il est important. On a une culture... Monsieur le leader adjoint, le leader. On va suspendre un instant. On suspend.